Oh my god! Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon appétit et bienvenue sur cette découverte et possiblement let's play de Oddworld Soulstorm Enhanced Edition. Et comme vous avez pu le voir dans la cinématique d'intro, désolé pour les anglophobes, mais comme vous avez pu le voir dans la cinématique d'intro, c'est un jeu qui se passe directement après les événements de New Aintesi, ou donc Oddworld, l'Odyssée d'Abe et possiblement l'Exode d'Abe. Putain, c'est ce jeu. Eh oui. Donc, Oddworld Soulstorm est un jeu que je ne connais pas. C'est une version remake d'un jeu qui existe déjà, si je ne me trompe pas. Et c'est même la version avancée, enhanced, la version avec du contenu additionnel de Soulstorm qui est sorti fin de l'année dernière. Je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais testé. Et oh mon Dieu, ce que j'aime. Oh, pauvre petit Abe. Et oh mon Dieu, ce que j'aime l'univers de Oddworld. Donc, je récapitule très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Oddworld, l'univers d'Oddworld, en tout cas dans les premiers, et cet épisode-là, c'est un jeu de plateforme puzzle game assez glauque, donc je le préviens tout de suite, hein, où on joue justement Abe, le petit personnage que vous voyez là, hein, qui est un mudokon. Et qui est un esclave dans une usine de fabrication à l'origine dans Oddworld, l'Odyssée d'Abe. C'était, je vous fais un rapide résumé. C'était un esclave dans une usine de fabrication de bouffe, voilà, de trucs à viande. Et il s'est aperçu une fois, lui, il était en train de faire le ménage. C'est un technicien de surface, il est en train de faire le ménage justement des trucs. Il passe devant une réunion de direction générale et il s'aperçoit que le prochain produit phare, New and Tasty, de son usine allait être fait à partir de viande de mudokon. Et là, il a eu une panique générale et il s'est donné comme mission de sauver tous ses congénères. Il a réussi, il les a tous sauvés, c'est ce qu'on voyait dans la cinématique d'intro. Il les a tous sauvés et il a réussi à tuer son patron, enfin le CEO, le PDG de la boîte. Mais évidemment, il n'y a pas qu'une seule usine, il y en a plusieurs. Et on va voir du coup ce qu'il en est des autres. Je ne sais pas où on est, parce que normalement, on a réussi à devenir un espèce de demi-dieu ou de dieu parmi les mudokons, un élu et tout. On a des pouvoirs, hein, et je ne sais pas absolument pas ce qui va se passer à partir de maintenant. Donc, j'imagine que ça prend la suite de cette histoire. Désolé pour le petit blabla. Et on va découvrir du coup ce qu'il en est. Alors attendez. Avant ça, parce que j'ai pas envie de... D'accord, on est en 1080. Regardez, en plus, il est toujours... Cette petite tête de victime et de paniqué. Et à chaque fois, il me fait du petit mal au cœur. V-Sync activé, 1080. Quelle est la différence entre 59 et 60? Amis graffeux, là, les graphistes. Je sais bien que c'est le taux de rafraîchissement à 59 images par seconde et 60. Mais je veux dire, pourquoi 1? Plus qui me répond 1. Oui, non, mais merde! Mais je veux dire, mais pourquoi? Est-ce qu'il y a une histoire, je sais pas, de cadencement? Parce qu'à la base, les 25, c'était une histoire de cadencement. 25 et 29, 97, c'est une histoire de cadencement avec l'alternance de l'électricité. Ça dépend de la compatibilité d'écran. D'accord, ok. Bon, j'irai pas plus. Ok, ça marche. Son accessibilité manette. Ok, ça marche. Mais 60 dans le doute, qu'on me dit. Ouais. Ouais, allez, vas-y, on met 60 dans le doute. Allez. Excusez-moi, je sors d'un Covid, je tousserai un petit peu. Enfin, je suis encore Covidé, d'ailleurs, officiellement. Vous êtes malade. Allez, nouvelle partie, c'est parti. Oh putain, ça on va l'apprendre au fur et à mesure. Le raid de Monsec, marqué là. Ou de Monsaïque. Oh. Oh, c'est beau. Pardon. Ah!
Oh putain, il parle. Eh, il a pas de croix. Pardon. I think you need to see this. Poppy, it's the end of the line, Al. Oh merde. Holy shit! C'est nous. Oh, c'est trop bien. Pendant ce temps, Abe et ses suiveurs ont trouvé refuge après s'être réchappés de Rupture Farm. Ça, c'est la fin du 1. Rupture Farm. Ah oui, c'est de la bière, ça. Fabriquée justement par... les usines. Bon, il y a un décalage sur mon image. J'ai l'impression que des fois, il y a un petit décalage, en effet. Ah non, ça va. You cannot face what's ahead if you choose to hold on to those strings of oppression. You must find and embrace your full voice. You must do it. But she was real. She gave me these. And no one else even remembers her, or... You are no longer a slave, Abe. You have worn those your entire life. But you and the others were under a spell, living your lives
inside of lies upon lies, until finally, it was the terrible truth you discovered that broke your mind free. Now you must grow! But how can I just... Your voice must grow for the lies to fade. The spell that deceived you must break entirely if you are to face what's coming. But we're free now. I just need some time. You have no time. Your voice, they believed, followed, and it led them here. But even you have yet to fully embrace it. But you must now, or our chance will be lost. You may have escaped the murderous blades, but not the shackles you chained to yourself. But it's over, and Rupture Farms is burned down. We're free now. No, Abe, not over. Just beginning. But I'm so tired. They're all tired. There is no rest. But with some time, there is no time. But we're safe now. Only for you few, and only for this moment. But this moment is over. We're discovered. Oh, no. It really is up to you. Now it begins, Abe. The fate of your entire people is up to you. Holy shit, non, 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 deux secondes. Oh mon dieu, il s'est passé beaucoup trop de choses. Déjà, premièrement, bonjour Jibamax, bienvenue à toi. Deuxièmement, j'ai pas changé le titre du stream. Troisièmement, oh bordel de merde. On a appris beaucoup, beaucoup trop de trucs. Attendez, deux secondes YouTube, je change le titre. Okay. Voilà. Donc, je disais, oh mon dieu, il s'est passé beaucoup trop de choses. Là, niveau, ouais, salut. Carvi 4ème dose. Il s'est passé beaucoup de choses là niveau histoire. Là, j'ai pas tout saisi. Mais visiblement, ça prend. Ouais, on est bien. C'est bien ce que je disais au tout début. On est direct après la fin du 1. C'est-à-dire qu'on a sauvé tout le monde. Tout le monde il est content. Tout le monde il est gentil. Et on s'est fait repérer visiblement. Je sais pas par qui ni par quoi ni comment. Peut-être par les bières. Et c'est la merde. Alors, voilà, attendez. Slick tué, 0 sur 15. Attends. Slick tué. Attends. Comment ça? Slick tué, 0 sur 15. Nuit de consommé, 0 sur 300. 80%. Mudokon tué. Wow. Non, c'est la fin de Exodus. C'est après Exodus. Ah oui, c'est après l'Exode d'Abe. Oui, d'accord. Exode d'Abe, je le connais moins bien. Mais c'est quand même la merde. Attendez, là, ce que je comprends pas. Slick, c'est les ennemis de base. 0 sur 15. Ah oui, parce que dans la cinématique d'intro, il est marqué qu'il y avait combien de Mudokons à sauver ? 1000 ? 1000 combien ? 1300, je crois, un truc comme ça. Oddworld, l'Odyssée d'Abe sur PlayStation 1, c'était 100. 1500, bordel de merde. Allez, c'est parti. Comment on... Ah, d'accord. Oh, c'est beaucoup plus... Oh, c'est très nerveux.
Combine des objets pour en créer de meilleurs. Lorsque tu ramasses du butin de Oddworld, tu débloques de nouvelles recettes de fabrication. Combine des objets pour trouver de meilleures façons de résoudre tes problèmes. J'ai fait Y. Ok, je peux me mettre accroupi. Courir, c'est juste le joystick. Ok, putain, c'est beaucoup plus action qu'avant. Hein. Pierre d'histoire, pose X. Ok. Utilise A pour déplacer, maintien RB pour courir plus vite. D'accord, ok. Non. Ah! Oh my... Oh mon dieu, le cul. Il n'y a pas eu mon message de présentation. Si, je l'ai lu, mais pas à voix haute, t'inquiète pas. C'est très bien. Puis sur A pour sauter. D'accord. Attends, mais ne vois-tu pas que je ne suis poursuivi par des méchants? Double saut? Double saut! Ok, échappe-toi de la caverne en feu. C'est appuyé sur A pour sauter et te hisser sur rebord, d'accord. Ah, merde. Ok. Ah, c'est beaucoup plus... Ah, c'est beaucoup plus action que... Ah, que les anciens. Aïe, 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 aïe. Oh, point de contrôle. Mais je fais un peu moins fort. Ça fait peur. Roule pour éteindre des flammes. Oh, sur B, en ce moment. Pour rouler lorsque tu prends feu. D'accord, ok. Oh, j'avais pas vu. Fixi court plus vite, qu'on me dit. Ah! Wow, en effet. Oh mon dieu, éteindre des flammes avec de l'eau. Appuie sur Y et maintiens. Appuie et maintiens Y pour afficher la roue d'inventaire. Sélectionne la bouteille d'eau. Et lance-la avec R. Puis RT pour éteindre des flammes. D'accord. Urne, fouiller. Bouteille d'eau. Ok. Ça marche. C'est où? Oh! Nécessite un. Nécessite un quoi? Mon dieu, Mudokon équipé. Équipe les suiveurs d'Abe avec des objets fabriqués pour qu'ils puissent aider. Ou du moins essayer. Ah ouais, non, ça a rien à... Enfin, ça a rien à voir. Il a l'air d'avoir beaucoup plus de techniques que dans les précédents. Je connais la technique de la boule, c'est Metroid. Oui. Toucher, fabriquer la recette. Objet insuffisant pour fabriquer. Mais il m'a dit de m'équiper. Ah, maintien Y, pardon. Ah, d'accord. C'est pas juste appuyer sur Y, c'est maintenir Y. D'accord. Comment je... D'accord. Paf, ça. Et donc... Pas mal, c'est pas mal. Mais attends, il y avait autre chose là. De la bouteille d'eau. De la gelée royale, tu as trouvé de la gelée royale, ta santé a été maximisée. Oh mon dieu. Tu as trouvé une gelée royale, trouve-en 0 de plus pour arriver à bon. Oh putain la vache. Ah mais il met la pression là, et c'était pas comme ça hein. Au secours. Double saut, d'accord. T'es déjà équipé. Ah, tu connais le jeu. Ah, tu connais le jeu, mon bas. Ah oui, d'accord. Ah, je suis pas habitué des... Okay. Oh, de la gelée royale. Ah. D'accord. Paf, la gelée royale. Est-ce que... Ah mais ça donne envie de fouiller. C'est horrible, ça donne envie de fouiller ce jeu. Oh merde.
Ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, oh. C'est moi ou... Non, c'était moi. Non, saute. Non, Nick, saute. Non. Fuck you. Saute. Merci. Oh, ça, ça risque d'être un petit peu plus difficile pour moi. Est-ce qu'il va tomber? Non? D'accord. Yes. Ah, tu as déjà joué. D'accord, très bien. Utilise les barres parallèles. Ah oui, d'accord. Sur A pour sauter dans leur direction. D'accord, très bien. Ok. Ah, mais moi, quand on me met la pression, je retiens moins bien les choses. Y'a rien à... Non, y'a rien à... Oh, 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 oh. Ouais, mais moi, je suis le Gotaga de la plateforme, moi. Tu m'auras pas comme ça. C'est pas moi qui le dis. D'accord. Il y a encore des jarres en bas, ça, ça me turlupine. Ouais, on va peut-être attendre avant de sauter. Oh merde! Les murs se détruisent! De l'eau. De l'eau. De l'eau. De l'eau de pluie. De l'eau de là-haut. Elle s'en arrête dans ce bapeau. Ah! Oh! Oh! Ok, très bien. Ouh! Ta 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 ta. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, oui, je les ai vus. Aïe, aïe, aïe. Ok. Je peux beaucoup de vie, hein. J'ai pris un peu cher quand même. Ah! Non mais attends, t'as pas le droit, c'est pas du jeu! Pourquoi il y a un truc vert en bas? Ah mais... Ah non, il s'est pas effondré! Ah d'accord, ok. Fallait juste que j'aille vite. Ah! Ah! Oh putain, leur voix, elle est pire que d'avant. Aïe, aïe, aïe. Je l'ai. Ah, 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 je brûle. Ah, je brûle. Oui, non mais d'accord, mais qu'est-ce que je fais du coup? Le feu, il s'en va au bout d'un moment? Ah, il s'en va au bout d'un moment. Ah, c'est bon à savoir. Je prends des bouteilles d'eau. Il fait chaud, hydratez-vous. Buvez chez vous. Votez. Yes. C'est... Non, là. Voilà. Je l'ai royal. Zone secrète trou. C'est une zone secrète, ça. Explorateur. C'est une zone secrète, ça. C'est pas une zone secrète, ça. C'est une zone où on est obligé d'aller. C'est une zone secrète obligatoire. Échappe-toi, descends pour trouver le moyen d'avancer, récupère des bouteilles de bière. Bouteille d'eau. Pilleur. Ah, il faut piller les poubelles. Plein. Oh, bouteille de bière. Clapotante, collante, très goûteuse et hautement flammable. Ah, cool. La bière Soulstorm t'aidera à mettre l'ambiance puis à tout brûler une fois la fête terminée. Cool. Nice, nice. 18 bières. You must use the fire, Abe. Tu dois utiliser le feu. To your advantage. Tu dois utiliser le feu, Abe. Utilise-le à ton avantage. La bière. La bière.
Jette des bières. Là, tu joues avec le feu. Exploite la puissance du feu pour brûler les obstacles qui bloquent ton chemin. Jette des bouteilles de bière près du feu de camp pour enflammer le liquide et brûler ce mur en bois. Il est en bois ? Ah oui, il est en bois. Alors du coup, c'était ça. Hop. Non, 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 non. Vise d'abord, crétin. Nice. Mais du coup, là, ça brûle. Et après, je dois l'éteindre. Eh, c'est pas mal. D'accord. D'accord. D'accord, après, je dois l'éteindre. Sinon, je peux pas passer. Échappe-toi de la caverne, en fait. C'est ce que je fais. Oh, 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 oh. Attends, apparemment, il faut que je fouille les poubelles. C'est comme Stardew Valley. Maintenant, Oddworld, c'est comme Stardew Valley. Ah. Ah bah, il y avait déjà du sur le mur. Allô ? Le feu veut plus s'éteindre. Voilà. Ça me rappelle. Ah, ça me rappelle les moustiques dans le 1. Au secours. Utilise la poule. La poulie. Utilise la poule. Pour utiliser la poulie, appuie sur X pour interagir, appuie sur L pour déplacer la poulie. Une fois que tu as atteint sa destination, appuie à nouveau sur X pour lâcher la poulie. C'est noté. Quand tu veux. Voilà. C'est les ascenseurs du 1. Heureux. Use the pool, Luc, oui. Oula. Je suis pas là. Lâche. Faire péter ça ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Ça va prendre feu! Ça va prendre feu! Non, c'est pas vrai! C'est pour moi ça! Attends, il faut que je foule les poubelles. La bouteille d'eau. Non, c'est pas moi! Ah, je peux la. Ah, c'est nice! Comme dans le 1. Vite, faut que j'éteigne le feu là! Faut que j'éteigne le feu là. Vas-y, tiens. Ok. Non, c'est pas. Je sais pas pourquoi j'ai ce réflexe du 6. J'ai sur Y. Ah, yes! Médaille d'or de pilleur. D'accord, je peux aller là, mais avant ça, je veux checker ce qu'il y a là. J'en étais sûr, j'ai bien fait. Paf, zone secrète. Ah, il est plus là le Slig. Ah! Bam! Ah, ça change! Ah! J'ai pas deux secondes pour donner mon avis, d'accord. Ah, l'autre corde elle bouge pas, c'est mal fait. Ça par contre c'est bien fait. C'est carrément plus un jeu de. Non, y'a rien. C'est carrément plus un jeu de plateforme qu'avant. Hein. Avant, c'était surtout un jeu de puzzle. Quoi. Attends, y'a des trucs en bas. Je fouille. Non. Restant 0, en sûreté 0, perte 0. Pourquoi tu me montres les stats? Oui, oui, d'accord. Aïe. Attends, il y a une poubelle. Qu'est-ce que... C'est par là que je dois aller? Non, c'est pas par là que je dois aller. Ah, putain. Les sauts, ils se... Ils sont tellement loin, les sauts, que j'ai l'impression qu'on peut pas les faire. Ok. Ok. Attends, il y a de la gelée.
Ah, attends, il y a une poubelle. Ok. Je l'ai. Vas-y, il est en train de recharger. Paf. What the... Oh. Je dois aller où, là? Qu'est-ce que... Ah, d'accord. Non? Je sais pas où je dois aller. Il y avait un truc. Restant 0 sur 300. En sûreté, 300. Quand je... Là! Oh, c'est vachement ouf. Non, non, tu me vois pas, c'est pas vrai. Oh! Ok. Putain, ça met la pression. C'était pas comme ça avant. Appuie sur X pour défoncer. Les caisses à coups de poing. Ou à coups de tout. Et récupérer les bouteilles de bière. Ah oui, d'accord. Il y a un truc là, non? Il y a des poubelles. Oh, médaille d'or du tuto. Ah oui, alors pardon. Ok. Voilà. Je montre que j'ai appris. Ouche. Merde. Ouche. Voilà. Ça se prend en main, ça se prend en main. Ah, merci. Ah, je peux viser et avancer en même temps. Ah, c'est pas mal. Bon, qu'est-ce que je fais, là, tout ça? Pourquoi il a 300? Tout à l'heure, il avait 0. J'ai 300 de mes potes qui ont popé. Wow. Continue de courir, qu'on me dit. Ok. Ok. Bonjour. Brother, if you don't save yourself, you'll never save the others. Si tu ne te sauves pas toi-même, tu ne sauveras jamais les autres. Fuis. J'ai gagné. Use de poule. Je veux que c'est déverrouillé. Sans sang. Survécu, tu as échappé au raid de Monsec. Monsaïc. Doucement, doucement. Tu as trouvé 3 zones secrètes sur 4. Trouve-en une de plus pour arriver à platine. Ah merde, il y a platine. Je croyais que or c'était le maximum. Fuck. J'ai pouillé. Décidément, les poules m'habitent ce soir. J'ai pillé 18 poubelles sur 20. J'ai trouvé 8 gelées royales sur 11. D'accord. Mieux qu'on sauvait 300 sur 300. Ok. Karma, j'ai un bon karma. Ok, allez au niveau suivant. Afficher les classements. Des classements. Niveau suivant. Oh. T'es con. T'as 20 bouteilles d'eau sur toi, de lui en une. Sorry,
I don't know how to help you. You can help us all. Il y aurait une pelle ou quoi? Oh, I'm so sorry. I can't save you. But you can. You can save them all. But the others already dying. Who? Followers. Your followers. Oh non, les followers se meurent. Mon chat disparaît. Sauve le chat. Ça en finit jamais. On dirait la scène de mort dans Shrek. Avec le roi. Pardon. Sad. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh putain, mais tu vas nous le montrer un jour? Sauve-nous de la tyrannie de Tixi. Eh hey, oh! Goulag! Bon bah déjà moins un. Ok, bon. Les ruines se préparent, d'accord. ENT s'il vous plaît. Alors, bon, c'est clairement pas... Oh merde! C'est Moluc? C'est pourquoi nous sommes ici, so we can get to Abe before they can get to us. All right. Now I want your slick pals positioned all around this place, cause we are not letting that Abe guy get away from us again. You got it, boss. Okay. Ok. Oh, c'est grand. Grand. D'où je sors. Ok. Bon, alors clairement, c'est pas du tout comme le volet précédent. Hein. Enfin, bon, après, c'était que le tuto, d'accord. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus nerveux. Déjà, on le sent déjà dans la maniabilité. Hein. Trouve les autres mudokons ayant survécu et décide de ce que vous allez faire ensuite. Voilà.
Oui, pour ceux qui ne connaissent pas du coup Oddworld, il y avait ce système de sauver le plus de Mudokons possible. En fonction du nombre de Mudokons qu'on sauve, on a des points de karma en fait. On a notre karma qui est plus ou moins bon. Et en fonction du coup de notre karma à la fin du jeu, on a une fin différente. C'était un petit peu ce qui était voulu. Donc façon un petit peu entre guillemets Undertale, hein, on peut tous les sauver, tous les tuer, tout ça, tout ça. Pierre d'histoire. Oui, bah d'accord, oui, c'est ce que je viens de lire. Donc, c'est clairement plus nerveux que son homonyme précédent. Hein. Oh la vache! C'est... Et il y a beaucoup de cinématiques. Limite trop, je trouve, pour moi. Ah, voilà. Donc là, il est question de... Petit puzzle. Les envoûtements. Ah, bah voilà. Maintiens LT pour envoûter, puis utilise... L pour déplacer l'orbe de Chi et activer le verrou à Chi. Ah, d'accord, c'est pas comme avant donc. D'accord. D'accord, ok, sympa. Waouh. Très bien. Très bien. Calme, moyen, élevé. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai fait ça? D'accord. On a une jauge en haut. Se faufiler. Maintiens LB pour te faufiler, te hisser et sauter sans être détecté par tes ennemis. D'accord. Donc avant, il n'y avait rien qui nous indiquait. Maintenant, on a une barre. D'accord. Qui nous montre l'état. Oh, mais celui du bas. C'est l'état duquel qu'on voit... Suppresseur d'envoûtement, la technologie de Glucon capable d'empêcher Abe d'utiliser son pouvoir spirituel d'envoûtement. Ouais, ça je le sais. Voilà, donc en fait la boule en haut m'empêche d'envoûter les ennemis, parce qu'on peut les envoûter, figurez-vous. Oh classe! Je vole les gars! Gros rouleau de machin collant! C'est donc le moyen idéal de faire preuve de retenue et de compassion envers tes ennemis. Oh. Excellent. Ouh, il regarde vers le haut. Yes. À gauche ou... Non, à gauche, il y a le point de save, donc j'imagine que c'est... Qu'en bas, ça doit être un... Un truc optionnel. Ah, quoique, il y a une porte. Tadé, tadé. Oh putain, il y a plein de chemins. Oh, mais il y a plein de chemins. C'est moi. Ah, ta sœur. D'accord, ok. Alors ça, je ne savais pas. D'accord. Contrairement au... Ah. Contrairement aux précédents auxquels j'avais joué, les Slig peuvent voir en diagonale. Avant, il ne voyait que ce qu'il y avait devant lui. Ah, il s'est rendormi. Il ne voyait que ce qu'il y avait devant lui ou derrière lui. Enfin, il pouvait se retourner. Il ne pouvait pas voir ni en haut ni en bas. Ok. C'est marrant, ça, le fait de voler et de... Il y avait une bière aussi. Tiens, boule de slig. Sans connard. Ok, ici ça a l'air d'être la suite en fait. J'attends qu'il se retourne là-bas là. Ah, j'ai vu son rayon. Ah, c'est marrant. Vous voyez quand j'appuie sur le bouton et pas... Et quand j'enlève.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a en bas? Jetez un œil. Pourquoi il y a un truc bleu derrière? Vas-y. Zone secrète. D'accord, c'est bien une zone secrète. Ok. Ok, tout simplement. D'accord, bah j'ai trouvé une gelée royale. Cool. Par contre, il y a l'air d'avoir un truc bleu derrière, là, ça me perturbe. Attends, me dis pas qu'il y a 50 000 trucs de ce secret caché dès le début. Remarque, il y avait ça, hein. Il y avait ça dans le 1. Dès le début, il y avait les trucs cachés. Et genre moult. D'accord. Ah, il est à l'affût, hein. On me voit pas, là. Nice. Est-ce qu'il m'entend si je cours dès qu'il se retourne? Il fait un... Non. Ok, cool. Alors, allez, on fouille. Tiens, je regarde des... Ah, progression de badge. Alors, on a explorateur. Tu as trouvé une zone secrète. Trouve-en une de plus pour arriver à un argent. Donc, être caché, donc c'est les gelées royales. Destructeur, c'est destruction d'objets. Sauveur, c'est les mudokons. Appréhendeur de Slig. Oh. Et qu'est-ce qu'on entend par appréhender? Par exemple, lui, je peux pas l'appréhender. J'ai pas de... Je peux pas le... Est-ce que je peux... Ta mère, pourquoi tu fais ça? Ah ah ah, d'accord, ok. Est-ce que, par exemple, je peux le sneak? Et le saucissonner? Ah, ta mère! Je peux pas. Ok. Pas de saucissonnage en règle. Ça marche. Et attends, 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 attends. Oui, j'ai ma zone cachée. Oui, j'ai ma zone cachée. Ok, bah je sais pas comment je peux faire. C'est pas grave, on continue. Oh. Oh non, dommage. Attendez, je vais le posséder, je vais le posséder. Ah, remarque, je peux l'enflammer. Ah, ta race. C'est ce que le jeu a l'air de vouloir me faire faire. Mais je peux soit y aller comme ça. Ouais, là, il est en élevé, là, du coup. Voilà. Voilà, soit le posséder directement. Et là, du coup, c'est moi qui contrôle. Alors. D'accord, on peut parler. Comme avant. Voilà, on peut donner un coup. On peut... Oh! C'est nouveau, ça. Je peux pas tirer? Ah, si, voilà. Voilà, et je peux le faire exploser. Et je peux le faire dormir, visiblement. D'accord. Mais est-ce que ça compte comme appréhender, ça? Ah non, pas du tout. Ah! Je peux recommencer le... Redémarrer au point de contrôle. D'accord. Donc en fait, appréhender... Appréhender, c'est vraiment le mettre en... Le saucissonnager. Donc, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est faire ça. Voilà, l'amener ici. Et l'endormir. C'est une forme de repos.
C'est un peu définitif, mais c'est une forme de repos. D'accord, quand je laisse appuyer, ça le tue. Mais apparemment, si je fais un... Si je vais pas jusqu'au bout, ça ne le tue pas. Je l'ai endormi, hein, quelque part. Maïs. Ou si je fais juste... Voilà. Ça, le... Voilà, noué. Hop là. Et là, je peux le voler. Yes, du ruban adhésif. Voilà. Et là, il est appréhendé. Nice. Ok. Très bien, très bien. Voilà, là on retrouve déjà beaucoup plus l'ambiance de Abe avec le puzzle platforming. Oui, je vais me pioter. Des bisous, Zirnitra. Merci d'être passé, merci beaucoup. À bientôt. Se faufiler, appuyez sur LB pour te faufiler, toi ici. Oui, non, mais d'accord. Oula, 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 il se passe beaucoup de choses. Donc on peut pas utiliser notre envoûtement. Donc lui en bas, je vais pouvoir le saucissonnager. Merde, putain. Into. Comment je peux faire pour les deux autres? Est-ce que je peux les brûler? Mais si je les brûle, je les tue en fait. Deux rubans adhésifs. Si je les brûle, je les tue. Du coup, ils sont pas appréhendés. Oh non, pas maintenant, pas maintenant. Voilà. Attention, mesdames et messieurs. C'est bon. Boum. On va voir, hein. Non ? Il s'enflamme pas! Mais nique Sarah, c'est pourquoi il s'enflamme pas? Bah oui, là il me voit là! Mais comment il fait ça? Mais pourquoi ça brûle pas? Attends, y a une connerie là. Pourquoi ça brûle pas? Pourquoi il brûle pas? C'est étrange. Bouteille d'eau. Bouteille d'eau. Hop là. Il ne m'entend pas. Bouteille d'eau. Mais ça s'enflamme pas, je comprends pas pourquoi. Dans le tuto, ça se passait pas comme ça. Dans le tuto, il voulait bien. Je comprends pas là pourquoi ça le fait pas. Si je le plein dessus, là. Je comprends pas. Et en plein sur sa gueule à lui. Ah, d'accord. D'accord, ok. Mais c'est pas ce qui avait été dit dans le tuto. Dans le tuto, quand on envoyait une bière près d'un feu, ça s'enflammait. Là, il faut l'envoyer sur un ennemi dès qu'il est au niveau du feu. C'est un peu plus... C'est un peu plus délicat. Et donc là... Je l'éteins.
Mais non, t'as rien entendu. Zone secrète trouvée. Ah. Oh, il est compté comme appréhendé. Ok, brûlé. D'accord, donc j'aurais pu brûler le premier en fait. Donc si je fais ça. Ok, je peux parler. Je peux parler avec le pad. Ça, je savais pas. Et dès que j'attends qu'il arrive ici. Et paf, bière dans la gueule, il s'enflamme. Et là, je passe à 4. Ah non, pas du tout. Bon, c'est pas de l'appréhension, visiblement. Moi, j'avais cru que je l'avais appréhendé. J'en avais fait... Ah bah oui, j'en avais fait 3. Bah oui, je suis con. Non, descend. Ok. Bah, allons-y doucement, hein, allons-y mollo. Donc, les emblés et les brûlés ne comptent pas comme de l'appréhension. Oh, dommage. C'est un peu une appréhension type CRS français, vous voyez. Moi, j'y aurais cru. Façon bac du 9-3, vous voyez. C'est une... Voilà. C'est une appréhension à l'allemand. Notre cher préfet. Oh ! Ok. Très bien. Donc ça en fait un en moins. Bah, ça veut dire qu'il y a combien de slicks ? Ah ! Oh ! Oh, attendez ! Oh ! Je viens de comprendre un truc. Le karma. Regardez, slick tué, il est en rouge. Tuer un slick donne un mauvais karma. Donc en fait, il faut, pour avoir un bon karma, genre la trou fin, c'est sauver tous les mudokons sans tuer aucun slick. C'est chaud. C'est chaud du ouf. Ça donne envie de recommencer le niveau. Mais vraiment. Oh. D'accord. Alors, le niveau de bronze demande à appréhender 35 slig. Donc, j'imagine que le badge appréhendeur de slig platine doit être, en fait, de tous les appréhender. Mais comment on peut appréhender un slig qui est dans une zone où on n'a pas le droit d'invoquer? Peut-être si je lui lance une bouteille d'eau en pleine gueule, ça l'étourdit, ou il doit y avoir un truc comme ça. Ok, non, on va continuer le niveau. Et... Possession. Ah bah voilà, ça je l'avais déjà fait. Indice, les slicks possédés peuvent faire feu sur les autres slicks, ouvrir des portes, se faire assommer ou exploser. Donc ça je le sais. C'est même plutôt compliqué. Ah merde. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait... d'accord, il y a une porte. Donc j'attends... Ah oui, j'ai que un. D'accord. Je peux pas aller à fond ma barre d'envoûtement. Non. Alors comment on tape? C'est là. Donc est-ce que je peux faire... Tac. Tac. Merde! D'accord. Donc là, je fais... Hop. Allez, relève. Hein? Ah, c'est une barre de vie! Je croyais que c'était une barre d'évanouissement. Ah, fuck it! Tiens, boum! Dans les pommes. Ah putain, mais.
J'arrive pas à le... Ah, c'est plus je laisse appuyer, plus il est... Ah, d'accord, ok. D'accord. Donc il faut que j'arrive à le... Non, merde, je voulais pas. Donc je voulais le... Ouais. Ah, mais c'est difficile de les faire les deux en même temps. Donc là, je fais ça. Vite! Hop! Je le saucissonne. Ouk, je le vole. Paf! Trois rubans adhésifs. Au total. Sad and suspicious! Est-ce que le truc en bas m'en empêche? Ah, mais là, normalement, ils se font feu sur, le, sur, sur les autres, non? Donc si je fais... Va-t'en. Va-t'en. Connard. Putain. J'attends que l'autre à gauche s'en aille. Ok. Qu'est-ce que... Il a disparu. Alors, est-ce que ça, c'est un truc qui va m'empêcher... Ah non. Là, je croyais que c'était un truc qui m'empêchait de... Qui m'empêchait d'envoûter. D'accord. Aussi son âge. Et je vole. On entend. Bah. Ah. D'accord. Ouais, c'est vachement plus linéaire quand même. Hein. On voit que c'est limite un. Bah, ça fait. C'est vachement plus linéaire. C'est carrément plus linéaire. Ah oui, je peux tirer un machin. Enfin, je sais pas si bas il est encore dans le coin. Comment je... Oh, d'accord. D'accord. Ça a l'air d'être vachement plus linéaire que dans le 1. Même si le 1 l'était déjà beaucoup, mais là on voit que c'est vraiment... Un puzzle. Enfin, un puzzle, on avance. Un puzzle, on avance. Un puzzle, on avance. Dans le 1, c'était un peu plus masqué, ça, quand même. En fait, dans le 1, on avait... ça s'était masqué dans le sens où on croyait que c'était vraiment pas plusieurs tableaux qui suivaient. Mais vraiment, en fait, une... un truc en continu, comme ça. Sans discontinuer. Et on voit pas que c'est vraiment des blocs de tableaux. Là, ça fait... ouais, ça fait un peu plus... buffy buff, quoi. Burn, baby, burn. Tiens, et si je lui balance une bouteille d'eau? Est-ce qu'en fait, ça l'assommerait pas? C'est ma petite question, tiens. Aïe! Wow! Ouais, non, mais t'es mignon, là. Ah, je peux faire du... D'accord. Je peux faire du leurre avec ça. Ok. Est-ce que ça, je peux le faire péter, ça, par contre? Non, il est vraiment au fond. J'ai l'impression que je peux... Ouais, je peux pas faire grand-chose, en fait. Est-ce que je peux crafter des trucs? Ah tiens, fabrication, il y a un point d'exclamation. Oh! Ingrédients... Ah! Ruban adhésif. Ah! Ouais, donc en fait, je pourrais avoir plus tard... Changer d'onglet. Je pourrais avoir plus tard les, à mon avis, les platines
C'est passé en rouge. Je pourrais avoir plus tard le platine. Ah ! Je me suis trompé le bouton. Que quand j'aurai découvert en fait des recettes. Pas avant. Avant, c'est un petit peu plus... Fais comme tu peux. Donc là, voilà, y a pas, par exemple, il n'y a pas 36 solutions. Je suis obligé de l'enflammer, quoi. Burn, baby, burn! Ok. Nice. Non, non, ils sont encore en alerte moyenne. Niveau d'alerte moyen. Moyen. Attends, je peux faire flamber jusqu'ici. Ah ouais, d'accord. Ah, mais je suis obligé même. D'accord. D'accord, je suis... Ouais, je suis obligé. Je suis obligé de... Ah putain, mais il faut la dose de bière, hein. Waouh. Ok. Il faut faire des traînées, en fait. Et donc là, je prends la bière et je l'allume. Ok. Pas mal. Par contre, faut que je le fasse vite parce qu'une fois qu'il sera arrivé au bord de la corniche, il risque de me voir. Sauf s'il va pas plus loin. Oh, il va pas plus loin. Oh. Ah, ça s'enflamme pas. Il s'enflamme pas. Cadeau. Et si, il va peut-être venir... Ah non, il vient pas plus près. Ah, fuck. D'accord. Ah. Comment on fait, alors? C'est bizarre. Ah, ouf. J'ai pas trop d'idées alors là du coup. Ah. Ok, je crois que je viens de comprendre. C'est pas super lisible. Ouais, si, ça a l'air d'être ça. C'est pas super lisible, mais en fait... Il y a un petit... Voilà. Oh la vache. Faut le voir, hein. Il va un peu plus loin que la corniche. De la bière. Et toi? De la bière et du ruban, dis. Et donc là, même chose, il va falloir que je passe dès qu'il va se retourner. Ok. Ouais, salut, salut. Ok. Oh, salut. Did the others? Yeah, we're all here. We can meet you up there. We're stupid. Stupid. Oh, c'est loin. Oh mon Dieu, c'est loin. Okay, I'll meet you there.
D'accord, trouvez-le. Oh putain, regardez! Les 300 munocons là-haut! Détruire 15 objets, j'ai rien fait. C'est pas moi qui l'ai fait. Bon, je prends quand même. Ok! Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde les munocons bloqués. J'entends une mine. Oh, ça faisait longtemps, tiens. Ah putain! Normalement, les mines, c'est plus tard dans le jeu, hein. Oh, les fucking mines. Il y a complètement un passage, là, non? Ah, non. Oh, les mines. Oh, les mines, ça faisait longtemps, tiens. Les mines à roust. Attention, les mines à roust sont dangereuses. Désactive-les en t'accroupissant. B, puis en appuyant sur X quand elles sont vertes. Parce que oui, si elles sont rouges, elles explosent. Donc, il faut les désactiver. Et après appuyer sur X. D'accord. Et d'une. Pourquoi il me dit... Ah d'accord. Oh putain, d'accord. Il me montre quand est-ce qu'elles sont à ma portée. Oh, des pierres! Nice! Tu as découvert un nouvel objet, pierre! Petit échantillon de la terre-mère qui tient parfaitement dans ta poche. Les chauves-souris n'ont qu'à bien se tenir. Ouais. Est-ce que je peux... Oh, est-ce que je peux crafter des trucs? Non. Mais est-ce qu'il y a des pierres dans le loup maintenant? C'est non. Fuck. Nick. Shit. Encore des pierres. Attends, je me blinde de pierres. Attends, mais oh. Relou. Je suis obligé de faire ça à chaque fois. 12. 15. Et 20, c'est bon. Donc ça, même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. Allez, monte. Oh, il y en a un saucissonné là-haut. Ah oh, putain, il y a 4 bombes derrière après. Oh ça, on va faire un... On va faire un double saut, on va se barrer là-dessus. Voilà, dites-vous qu'avant, les... il n'y avait pas de double saut hein, dans le 1. Ah la... J'ai frôlé. J'ai encore mes 20. Oh, faut que je les récupère. Ok, allez, plus qu'une. Voilà, c'est bon. J'ai fait le pling. Il est très proche. Hein. Ah, il me laisse l'occasion de le brûler. Non, mais non, parce que j'arrivais pas à faire passer le feu d'un étage à l'autre. Ah putain, c'est impossible. Ok, il faut faire ça autrement. Il me file des pierres, d'accord. Ah. Ah mais je suis con, mais y a pas de truc qui m'empêche d'envoûter. Ah oh bah oui, non mais on va envoûter 20 fois. Ah mais juste à faire ça en fait. Pourquoi je me fais chier tout à l'heure? Eh oui, on va envoûter. Non. Ok, vite, on fait ça. Ça. Non, non, non.
Plein. Ah merde. Vas-y, rendors-toi. Non. Je te mets de touche. Attends, moi, gâchette et bouton. Non mais rendors-toi. J'ai combien de rubans sur moi d'ailleurs? J'en ai plus! Merde! Ah ouais, je suis en dèche de ruban adhésif. Je suis en dèche de gaffeur. Rendors-toi. Voilà. Je peux pas le voler. Et après le saucissonner s'il y a du ruban. Et bam! Je peux le revoler. Allez, boum! D'accord, là ils sont tous à fond. Y'en a combien? Oh putain, regardez derrière! Une armée! Ils sont des millions! Oh bien! Bon, on va finir le jeu très vite en fait. Je me faisais du mouron pour rien. Par contre, là c'est chiant là. Parce que là ils bougent pas de là, je suis obligé de les. Oh, on pourrait gagner du temps en vrai. Hein. On pourrait gagner du temps. Merde. On perd un peu de karma, mais on gagne du temps. De toute façon, là, on est parti pour. Pas pour faire le score de l'année. Hein. Mais en vrai, je sais pas comment faire. Hein. Oh, ça l'a tué en chute. Oula. Non, Nick. Ah, je sais. Mais oui. La pierre. Voilà, ça défonce les mines. Comme ça, en fait, je suis hors de leur portée. Voilà. Par contre, derrière, ça va être compliqué de les avoir. Hein. I lost him. Ça va être très compliqué de les avoir. Ah, attendez! Ah oui, mais non! Voilà! Et hop là! J'ai juste à les amener vers moi, en fait. Ah! Par contre, là, est-ce que c'est pas trop. Non, c'est pas trop. Ok. Et là, ressaucissonnage. Ah non! Merde! Je peux pas le saucissonner! Je peux pas le saucissonner. Et ma pause café. Je veux ma pause café. Alors là par contre du coup je manque de ruban. Donc j'ai pas trop le choix. Allez boum. Hop, je récupère de l'envoûtement. Et là, pareil. Je peux pas le défoncer, ce truc-là, là.
Ok, ça je savais pas. Les ennemis envoûtés, quand ils s'approchent d'un truc anti-envoûtement, se font désenvoûter. D'accord, ça évite d'emmener les ennemis d'un puzzle sur un autre. Non mais sérieux quoi. J'attends qu'il soit sur le rebord. C'est un peu long. Oh. Allez, reviens vers moi. Ah merde! Ah si, voilà. Voilà. Ok, j'avais peur qu'il ne... qu'il ne revienne plus sur la côté... sur la corniche. Ok. Des bouteilles d'eau. Très bien, on va enflammer. De toute façon, là, nique, hein, nique le karma. Tiens, vas-y, cadeau. Oh! Est-ce que vous voyez ces deux belles gelées royales? Voilà. I hate fire. Is it getting hot here? Oui, oui, rapproche-toi. Oh man, this is getting hot. Rouge. Mais. Somebody there. Fire. I hate fire. Non mais sérieux quoi. Ah, quand même! Voilà. Voilà. C'est une zone secrète, ça. D'accord, donc en fait, il voulait que je monte, tout simplement. Sans avoir à me faire chier. Ok. Donc j'ai l'argent sur les secrets. Oh mon dieu! I'm over here! Over here! C'est plus lent. Hein. Oui, oui. C'est con parce que là où dans le 1 et dans le 2, on les avait un petit peu en pitié, c'était les esclaves. Oh. C'était les esclaves, les pauvres esclaves, tout mignons, amoureux de la forêt et tout. Autant là, le fait d'avoir mis plein de dialogues, plein de cinématiques, ils passent très vite pour des cons. C'est dommage. Avant, on les avait en pitié, maintenant, c'est un petit peu les stupides, quoi. C'est dommage. Ah, 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 ah. Non, mais... Non, non, non. Maintenant, ils passent pour des cons. Hop là. Hop là, hop là, hop là. J'ai plus de bouteille d'eau. Faut que j'attende que le feu se consume. Ah, j'ai plus de flotte. Allez, allez. Eh bon, ça passe. Ah. Ok, explorateur. J'ai une médaille d'or. Ok. Bah du coup, ça doit être la fin, là, en fait. Juste à me débarrasser de ce petit... ce groupe-là, et puis c'est fini. Je crois que j'entends des trucs. Et... Ah ouais, de l'eau. Des pierres.
Ok. C'est bien, au moins il nous laisse assez rapidement. Par contre, c'est ça qu'il faut, lui reconnaître quand même. C'est qu'il nous laisse assez rapidement de la liberté pour résoudre les énigmes. Avant, c'était très vite. Ah, il reste en élevé. Oh, il reste en élevé. Avant, c'était un peu une façon de résoudre l'énigme, pas plus. Jusqu'à au moins la moitié du jeu, quoi. Maintenant, c'est vraiment... Qu'est-ce que je... Ah, bah non, il faut que j'envoûte, tout simplement. Là, c'est vraiment plein de solutions possibles, quoi. Ok. Toujours pas de... Ouais, non. Toujours pas de gaffeur. Du coup, on avance. Ok. Celui qui est en haut à gauche, là, il n'aspire pas. Ah, il y a un anti... Ah, attends, peut-être que... Ah non, il me voit. Putain, ils sont méga chauds, là. Et là, du coup... Bon, là, ça marche. Là, il est jaune. Ah non, il devient rouge. Ok. Ah bah attends. On va se faire chier. Oh merde! Ah! Avant c'était une balle, un mort. Maintenant, il y a une barre de vie à prendre en compte. Oh. Dommage que je pousse pas. Bon, tant pis, je le tue. Je sais pas comment je vais faire pour passer là sans les blesser. Hein. Oh, ça va être mission quasi impossible. Hein. Oh, viens là! Approche-toi du bord. Ah putain. Le fait qu'ils restent en élevé, du coup, ils sont... ils ont des mouvements là. Oh, coup de bol. Ok. Ah, est-ce que je peux monter ici? Non. Il me laisse pas monter. Wow, il fallait que je le tue à l'aide d'un autre pour passer par ici. Ah, ah, c'est esquivé. D'accord, il aurait fallu que je fasse descendre quelqu'un pour le tuer, pour récupérer ce truc-là. What? Oh! Ah bah ils vont se faire défoncer! Non, ça va? Ok, cool. Ok, cool. Ok, cool. Ils sont longs, les niveaux. Hein. Ils sont vraiment très longs. Oh, je suis déjà en médaille d'or. J'ai l'impression que ça en finit pas. Oh! D'accord, d'accord. Bonjour, bonjour. Ah oui, donc il faut que je m'occupe de ça. What was that? Hey, what was that? Okay. Toi, mon pote, tu vas avoir une bière dans ta gueule.
Ok. Faut se mettre en calme. Et en calme, il regarde... Non, il regarde pas que d'un côté. Oh, je crois qu'il allait voir mes pieds. Yes, c'est passé. Frouche. Ah merde, j'ai pété la caisse. Ah, si, j'aurais dû. Par contre, la flotte, je vais commencer à en manquer. Oh, j'ai enflammé le mur. Oh, le mur n'est plus enflammé. Alors, est-ce que ça peut marcher ? Non. Par contre, à la limite, ce que ça peut faire, c'est que voilà, ça l'assomme. Et moi, derrière, j'arrive et je le saucissonne. S'il a du tape sur lui. Je le fais. Yes ! D'accord. Ah, des fois, faut être rapide. Je suis trompé de touche. Avance un peu, mon pote. Eh mais... Non. Si j'avance, il me bute. Non. C'est un peu dégueulasse. Mais... Écoute, hein, t'as servi mon peuple, Nick. Hein. Voilà. Allez où ? Oh putain. Hop, une bouteille de bière. Oh, une petite bière là. Ok, ça ouvre. Ça a ouvert qu'une seule des deux portes ou c'est moi là ? Flemme. Putain, c'est une micro-bombe, hein. Avant c'était une méga explosion. Hé, hein. Elle rebondit pas la pierre. Ah putain, ouais, il y a des mécaniques qui ont changé. Hein. Elles ont bien changé. Faut être vraiment dessus. Bon, bref. Hop. Ah putain, c'est juste beaucoup plus. Ok. Mine étourdissante. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, je peux lancer les mines. Et ça... Boum. Ah, pour tendre un piège aux Slig passant par là et les étourdir. Mais attention à ne pas marcher dessus. Oui. Et après, ça c'est un petit peu le truc un peu dégueulasse. C'est qu'on peut soi-même... On va devoir soi-même les désactiver. Mine EEI étourdissante. Rose lance une de ses petites merveilles en guise de piège et regarde à bonne distance. Ta cible mordre à l'hameçon. Vaut rien. Comment on les fabrique ? Nice. J'ai pas de quoi les fabriquer. Oh putain, ça demande beaucoup de... Putain, on va récupérer vachement de trucs en fait. Mine EEI étourdissante. Alors maintenant, le truc, c'est est-ce que les objets qu'on ramasse dans un niveau, on va les garder d'un niveau à l'autre, d'un niveau sur l'autre ? Parce que si oui, ça va rendre le truc un peu simple, non ? D'accord. Ok.
Volé. Yes, du ruban adhésif. Ah, carré en... Oh! Une clé, il y a des clés maintenant. Ah ouais, donc on va être obligé de ligoter les slicks, quoi. Ah, remarque, j'imagine qu'en le tuant, ça aurait peut-être fait la même chose. Ça aurait droppé une clé. Ah, c'est ça, non, d'accord, la clé. Ça ouvre les casiers. Et ça donne plus de loot. Ah ouais, mais c'est génial. Ok, il y a quoi à droite? Plus rien. Il n'y a rien par terre non plus. Ok. D'accord, donc ça force à sneak, quoi. Ça change complètement de style de jeu, quoi. Non, 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 t'en rentres rien du tout. Je vais attendre qu'il passe. Je vais le ligoter, tu vois. Je peux pas voir combien j'ai d'objets sur moi. Ah si ! Ah si, j'avais pas vu au-dessus de moi, là, là-haut, là. Carré en cuivre et j'ai deux rubans adhésifs. C'est noté. Quand tu veux, merci. Voilà, je mets un petit peu à distance parce que sinon, on va se faire piéger nous-mêmes. Très Crash Bandicoot, hein. Yes, deux rubans adhésifs supplémentaires. Donc en fait, je peux la lancer, ma mine. T'as entendu ça? You hear that? Il se termine jamais ce niveau ou c'est moi? Ouais, non, j'ai l'impression qu'il se termine jamais, ouais. C'est des putains de longs niveaux, hein. Putain, cette découverte, elle va vraiment durer une bonne heure et demie. Hein. Et j'ai chaud. J'ai méga chaud. Il va falloir que je lance ma mine relativement proche. Là. Je me baisse. Parce que si je la lance trop loin, je risque de me faire avoir par le deuxième slick derrière. Allez, viens là, toi. Bim. Eh merde, voilà, ce genre de conneries. Fuck you, bitch! Oh là là, je reprends tellement loin. Oh! Destructeur! Ouais, destructeur, je me suis détruit moi-même. J'ai le platine, le destructeur. C'est très shiny. Oh, ça va. I think I'm hearing things. C'est pas vrai. Allez, marche dessus. Même là, je me la joue en mode bien, là aussi. Je devrais pas. Ouais, mais si ça me donne du loot après pour la suite, quand tu veux. Ok, c'est vrai que du coup, si je peux garder les mines tourdissantes et les rubans adhésifs et que je recommence le niveau, bah là, du coup, ça va devenir beaucoup plus simple d'avoir du karma à mon karma, quoi. Ouais, ouais, dans 30 minutes, je file, tant pis. Oh, t'inquiète pas, dans 30 minutes, ce sera terminé. Sûr. Parce que même si le niveau sera pas terminé, moi je refais pas 30 000. Lutte de plus. Je suis en mode vibreur. Du moins en live. Du coup c'est sûr, hein, c'est juste une découverte. Hein, ce sera pas un let's play. Voilà, je fais pas un let's play entier de ce jeu là. Ça va être un petit peu lent et long.
À la limite, moi, je le continuerais bien offline, mais... Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pas en live, c'est un petit peu trop chiant. D'accord, ok. Et il disparaît, il dépop, hein, littéralement. Il se fond sur lui-même. En fait, un Slix, il n'est pas en mouvement, meurt. Même si, parce qu'il peut dormir à la limite. J'ai chaud, j'ai putain de chaud là. Donc là, il va falloir que je le fasse, ce truc-là, mais sans être dans la ligne de mire de l'autre. Donc là, je l'ai mise un petit peu plus proche, la mine. Mais putain, mais c'est pas possible, merde! Bon, allez, nique sa race. Oh, ça y est, ça me gonfle. Ça y est, ça commence à me gonfler. En fait, il faut que je le fasse dans le sens inverse. Enfin, c'est... Il est bien, là, mais c'est juste que... Oh là là, quoi. Sont tellement loin les points de save. Mais ça change, hein, ça change l'ambiance. C'est moi. C'est qui le patron? C'est moi. Ouais, ça change. Je vais voir si je dois pas faire l'autre avant. Non, le casier est derrière. Attends, j'attends que tu dépop. Voilà. Ok, très bien. Voilà. Ah, lui derrière, à la limite, on peut le posséder. What? Je me suis pris un éclair doux, là. Ah, il est relou, hein. Il est vraiment relou. Ah, en haut à gauche, je l'avais pas vu. Wow, il y a un casier là. C'est le truc là qui fait ce bordel. Mais je vais aller regarder là-haut. Je peux pas monter. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un endroit là-haut. Ok. Ah non, c'est les Slicks qui font ce bordel. J'en sais rien. Oh, il m'a pas vu. Ok. Hop.
Doucement, garçon. D'accord. Donc là, à la limite... Il fait ses petits sauts. Voilà, donc si on le fait bien dans l'ordre, en fait... D'accord. Oui. Très proche. Ah ouais, non, mais l'autre aussi, en fait. Faut faire les deux en même temps, en fait. Non ! Côté, l'autre côté ! Boum ! C'est ça ! Voilà ! Voilà, c'est bon ! Ah putain, la vache ! Ok, du ruban à non, c'est bon. Non, voilà. Des mines étourdissantes. Il me faut du ruban adhésif. Plus que des mines. Putain, il m'enfile plein des mines. Là, il est encore vénère. Non, c'est bon. Non ! Oh la vache ! Ah, j'ai eu du cul. J'ai eu méga la chance. Ok. Qu'il soit mal codé. Une étourdissante. Qu'est-ce que... Oh ! J'avais pas vu. Oh ! Enfin, on est sorti de là. Et du coup, j'ai mes mines. Donc, une arme supplémentaire. Oh ! Nice. Une arme supplémentaire contre mes chers Sly. Qu'est-ce que c'est que ces lasers derrière? Ah, c'est bloqué ici. My coffee break. Il est un peu relou. Je me lève, que je la lance. Oh, baisse-toi, connard! D'accord, ok. Visiblement, j'ai un angle. Allez, boum! Par contre, faut pas que je tombe après derrière. Oh non, tu... C'est bon, je peux essayer de la foler un peu. From up there. Des fois, quand on les affole un peu, ils prennent d'autres chemins. Ou alors... Tant pis, hein. Je le force à marcher dessus. Et là, du coup, j'ai bien le temps. Hop là! Yes, du ruban adhésif. Bah du coup, au lieu de dépenser mes mines, je fais ça. Hein. Tac, comme ça il est bien dans les vapes. Et puis on loot. Du ruban adhésif. Ça fait 4. Hop, bien ici. Ah, fuck it! Oh, tu mets du temps à sortir de son machin! Ah. Ok. 5700 chouquettes, s'il vous plaît. Ah ouais, tu lootes des chouquettes. Pas un cachet? Ah, un cachet. Y'a pas un secret caché ici? Y'a pas un cachet! Qu'est-ce que j'ai activé là?
Est-ce que j'active et je désactive en faisant ça? Ah! Transfert de choc. Est-ce que j'active et je désactive en faisant ça? Ah! Ça là-haut! Ok, j'avais pas vu. Très bien. Transfert de choquette après le stream. Ok, Zou. Oh la vache, putain. D'accord, il met tous les systèmes de jeu. D'accord, il lâche tout dès le premier niveau là ou quoi? C'est pas mal, remarque. Non, pas mal. Pas si bon, Z. Ah. Allez, je pense que là, c'est la fin. J'ai les mains moites. Aide les muds. Les muds. Libère les muds. Il protège les des sligues, tandis qu'il grimpe. Ouais, non, mais attends, t'es mignon, toi. C'est-à-dire, protège les des sligues. Quelle sligue? Je suis capable de... Oh, ça va. Je crois pas exprès de perdre dans les airs. Ego. Ça va fermer le machin. Les Mudokons ouvriront la porte. Attends que les Mudokons soient en sécurité, ils t'ouvriront la porte. D'accord. Comment je les protège? Non mais attends, non mais chaud, chaud du cul, chaud. D'accord. Ok, donc nouveau système. Mais là j'ai plein de oh, j'ai plein de trucs pour protéger les muds, genre des mines, des trucs comme ça. Est-ce que je peux les poser? En fait, ce que j'aurais dû faire, ça, 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 fucker. Non, non, mes meubles. Mais attends, mais comment je peux les protéger comme ça? Et souvent la troisième run. Ouais, mais c'est pour le suspense. C'est un truc de... C'est un truc de streamer. Mais genre, est-ce qu'ils sont déjà là? Ouais, ils sont pas là. Alors j'ai 3 mines. Ah ouais, non mais attends, non mais nique. C'est quoi, il faut que je prépare le terrain? Genre, oh, oh. Genre en faisant ça. Ça s'enflamme pas. Comment je peux faire pour les protéger vraiment?
Parce que là, à part envoyer une bombe et prier que ça marche, franchement, j'ai rien, quoi. Parce que là, ce que je peux faire, au pire, c'est foutre une mine ici. J'imagine qu'il y en a un autre qui va arriver ici. Et puis voilà quoi. Hop. Là il commence à monter. Hop. Lui je me le fais. Voilà, en bas, boum, en haut, tac, il est mort, et au milieu, bam, ah, nique. Oh, et après, re, en haut. Ah ouais, non, mais attends, mais comment tu peux faire pour tous les prendre? Putain, il y a un truc que j'ai pas pigé, c'est pas possible. Mais je veux dire, si je veux faire un perfect, comment t'es censé faire? Ah, c'est chaud. Putain, et après ça continue en haut. C'est quoi ce truc là, ce truc ça là? Il y a marqué calme. Ça veut dire qu'ils sont déjà là? Non, ils sont pas encore là. Là, ce seront leurs points de spawn. Après, si je suis là, je suis protégé, entre guillemets. Donc en fait, il faut que j'enchaîne les... Il faut que j'enchaîne les envoûtements, en fait. Là, j'attends que je récupère. Paf. J'envoûte. Hop. Je prends. Je le fais descendre. Je bute. Je le tue. Ah putain, j'ai pas eu le temps. Hop. 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 Merde. Le but. Ah, y'a plus de munitions. Ah, chaud. Oh. Bah du coup j'en ai perdu 39. Oh, c'est tendu. Attends, là ça va recommencer. Oh. Donc en fait, vous voyez, c'est ça en fait, il faut que je me mette à des points stratégiques, enfin à un point bien précis où je peux pas mourir. Et que je les protège en boucle. Mais comment faire? Par contre, je comprends pas ce coup du... Là, je peux les enflammer en étant ici. Je peux en enflammer qu'un seul. Ils sont morts pour la bonne cause. Ouais, mais je me demande comment on fait pour avoir le 100%, en fait. Après, il me dit qu'il faut que j'en sauve 80%. Il faut que j'en sauve 200. 0 sur 80% et 0 sur 200. C'est-à-dire que 200, c'est 80%? Ça veut dire que... Ça veut dire qu'il y en aurait 240 au total. Mais pourquoi il y a marqué 0 sur 200? Je comprends rien. Bon, on va faire du mieux qu'on peut. On va voir où est-ce, par où ça arrive au début.
D'accord. Visiblement, ça marche pas. Ah ouais, non, mais s'il y a le lance-patate maintenant. Ah mon dieu. D'accord. Il y a un lance-grenade maintenant. Bah, génial. Ah, par contre, lance. Si l'ennemi a un lance-grenade, ça veut dire que je peux le posséder en même temps. Du coup. Est-ce que derrière, ça veut dire que je peux m'amuser? Ah, fucker. Dépêche-toi, putain, ta race. Et merde, je me balance, je me prends une patate dans la gueule. Ah bah voilà. Oh, d'aile de merde, c'est dur. En fait, le point de sûreté, ce serait là-haut, en fait. Là. Là, je suis sûr. Quoique. Si. Si tu veux. Oh merde! Oh non, mais ils ramassent tous là! Ah, il a vu que j'étais envoûté. Oh! Ah, mais lui, il bute pas les mudokons par contre! D'accord. Mais putain, mais... Oh, la vache. Comment ça reste en... Ah non, bah c'est bon. T'es en train d'y aller, là. Oh, oh, lui, il s'approche de moi. My ass, my ass. Tiens, meurs. Vas-y, boum. Ok, ok, je suis en haut. Bon, j'en ai sauvé... pas dingue, hein. Pas fou, 122. 122 sur 200. Ouais, je sais comment maintenant. Le niveau 1 qui termine jamais. How do I get to you? You can't. There's no way. But we have a plan. My God. Okay. Stoopy says if we follow this mindset, we'll come out at the old trellis, a few miles east of here. You can meet us there if you follow the canyon. That way, you'll pass through Sorrow Valley. Soon after, you will arrive at a vet station. Okay. From there, you follow the tracks east to the old. Tu l'as déjà dit. We'll meet you there. Okay. But first, when you add. Non mais putain, mais tu l'as déjà dit. You gotta hijack. Ah non, ça tu veux. D'accord, détourner un train. Oh my god, hijack a train. We gotta run, Abe. C'est long, les dialogues sont vraiment chiants par contre. Don't forget the train. Ils répètent 20 fois la même chose, c'est. Oh, on aurait pas facile pu gagner. Écourter en fait chaque cinématique par deux, quoi. Ouais, c'était la fin. Ok. 122 sur 200. Mais c'est chaud quand même de sauver les 200. Hein. Soit, bah,
soit ce que j'avais dit, sinon hein, il faut arriver à crafter des objets et à les garder d'un niveau sur l'autre. Mais je sais pas si ça marche. Trouvez, vous avez à nouveau été séparés dans les ruines. J'ai mis 1h16 à faire le niveau. Je prends un beau karma, hein. Je suis fâché plus, on va dire. D'accord. Oh, destructeur, j'ai une platine. Ok. Donc si je fais... Petite vérification. Recommencer les niveaux. Non, passer. C'est bon. Cinématique, c'est bon. Si je fais recommencer le niveau, est-ce qu'il va me redonner les objets que j'ai gardés? Du coup... précédemment. Oh putain, je peux pas passer ça. Alors, voyons voir. Alors, non. Ah, il m'a quand même laissé le carré en cuivre. C'est étrange, ça. Il m'a laissé le carré en cuivre. Donc non, je ne peux pas garder mes objets d'un niveau sur l'autre. Est-ce que je peux... Par contre, il me laisse mes crafts. Mais de toute manière, on a vu qu'on ne pouvait rien crafter. Pourquoi il y en a en bleu et il y en a en rouge? On a vu... Oh, humeur des suiveurs. Humeur des suiveurs ? Ah d'accord, et je peux donner l'inventaire aux suiveurs. Ok, ça marche. Ok, bah c'est spécial. C'est spécial. Donc si je fais... Ah, quitter le jeu, je peux pas revenir à... Quitter le jeu ? Ouais, menu principal, d'accord, donc ça quitte pas tout. Tiens, qu'est-ce qu'il y a d'autre, vite fait, qu'on regarde? L'évasion de Toby, qu'est-ce que c'est que ça? Entretien de la chaufferie. D'accord, ça doit être un mini-jeu. Sélection de niveau, d'accord. Ah, on me montre le karma, 100% sur 80%. 80%, ça doit pour avoir la bonne fin, en fait. Il faut au moins 80%. Là, j'ai un karma de 61%. Waouh! Et il affiche toutes les stats. D'accord! Ok, donc je sais pas combien il y a de niveaux. Mais en tout cas, on est très loin de l'ancien, des autres... Enfin, dans mes souvenirs. Parce qu'il m'avait un peu vendu la sauce de World Soulstorm. Il m'avait un petit peu vendu la sauce en mode « Ouais, on revient un petit peu sur les anciens Abe et tout. Ça n'a rien à voir avec les nouveaux. Ouais, dans la version 2.5, enfin 2D.5, mais enfin, même c'est pas vraiment la 2D.5, la 2D en 3D, mais on n'est pas du tout sur le même gameplay, on est vraiment sur un truc différent, on est beaucoup plus sur de la plateforme, il y a moins de... On va dire que comme il y a beaucoup plus de possibilités, il y a beaucoup des gestes beaucoup plus nerveux, beaucoup plus d'options, il y a un truc de craft et tout. On a des puzzles qui peuvent se résoudre de beaucoup de manières différentes. Du coup, c'est moins dur, entre guillemets. C'est moins dur. Alors, c'est un peu plus chiant, parce qu'il y a des passages où voilà, on se demande un peu comment on fait. On va dire qu'on se donne nous-mêmes la difficulté. Mais dans les anciens Abe, voilà, il y avait une seule façon de résoudre la chose. Et du coup, ça demandait une maniabilité, une exécution beaucoup plus stricte. C'est, voilà, avec une seule façon de faire, tu fais trois pas en courant, puis tu sautes, puis tu t'accroupis, puis tu fais bas, puis tu... Voilà, il y avait vraiment un enchaînement, et c'était timé assez... Voilà, assez short avec les ennemis, pour avoir qu'une seule façon de faire. Là, voilà, il nous donne une grosse play, une grosse liberté. Donc, je sais pas, je pourrais pas dire si c'est plus facile, plus dur, mais en tout cas, c'est clairement différent. On n'est pas sur du Oddworld conventionnel comme à l'ancien. Donc, voilà. Pensez-en ce que vous voulez. Moi, je trouve ça moyen. Moi, j'étais plus fan des anciens, je trouve ça un peu plus moyen. Dites-moi ce que vous en avez pensé, en tout cas, dans les commentaires. Et si vous avez kiffé, évidemment, n'hésitez pas à partager la VOD, à mettre un commentaire, à mettre un pouce pour faire un doigt. Je te fais plein de bisous. Je te dis à la prochaine. Ciao.